L'épreuve du jour sous l'œil, bien sûr, de celui qui a commencé ici en 1965. Il avait 16 ans, il commentait sa toute première course cycliste. C'est un honneur pour moi d'être au sommet de la côte de la Pigeonnière. Je crois qu'on peut l'applaudir, monsieur Daniel Mangias. En personne est avec nous, 40 Tours de France au compteur. 41, pardon. Si les véhicules sont prêts, si les coureurs sont prêts, Pascal, t'es prêt à filmer pour le décompte. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. 13 tours de course. Et les applaudissements de tout un public. Allez, Anne. Saint-Martin de Landelle. Allez, Paul. Allez, Alexandre. L'ancien maillot jaune des routes du Tour de France. Il avait porté le maillot jaune en 2006. Allez, Clovis. En 2008. Et il est là. Eh bien, on va saluer M. Benoît Vauvenard, qui est avec nous, ancien professionnel de la formation LTJ, qui nous a rejoint, qui garde un œil. Le 15 mai pour le 3 Roléo avec une épreuve 4 en ouverture et la victoire au sprint massif de Dylan Massa, le coureur du vélo club de la Porte Marseille. Nous assistons aux premières attaques avec le retour du Tour 2. Allez, Paul! Allez, Alexandre! Allez, Yann! Avec Clovis. Ah mais il y a Fabrice. Deuxième tour. Allez, mangeons! Allez, allez, Yann! Avec Clovis, ça rentre! Clovis, allez, allez, allez! Allez, on attend! Le retour de la voiture ouvreuse, on va donc avoir le retour du peloton maintenant. On va rentrer dans les 10 derniers tours. Attention. Les 10 derniers tours, à peu près 45 km de course qu'il va rester. Et le circuit est parfaitement plat, on verra grosso modo une heure de course. Mais attention, la difficulté, l'enchaînement de la côte de la Pigeonnière fera évidemment du dégât et encore un petit peu plus. Allez,
premier. Petit à petit. Champion de Bretagne. Tour 3. Allez Lolo, c'est bien Lolo, allez. Allez Paul. Allez Gaspard, allez. Allez Yann. Allez Clovis. Allez mangeons ! Allez Alexandre ! Allez Yann ! Allez Clovis, allez, c'est pas loin. Allez, Tipper, allez, Elliot, allez, Théo. Du dernier point, on va voir ce que ça va donner maintenant dans ce peloton. Est-ce que les favoris au classement général commencent à se montrer? Toujours est-il que deux coureurs sont sortis et on retrouve et bien tout simplement installé aux commandes désormais jusqu'au Grenard le coureur du Vélos, 26 cyclistes, mais passe en deuxième position puisque juste devant lui de celui-ci, on est à 10 tours du tour de l'arrivée et se poursuit également l'étrennage malheureusement par l'arrière avec une condition naturelle qui est en train de s'opérer dans ce peloton qui perd petit à petit des éléments. C'est bien Yann. Allez Clovis. Dans le coup passe à 10 tours, 10 tours de la... C'est là qu'il faut pouvoir gérer. Allez Paul. Allez Paul. Allez Alexandre. Allez Alexandre. Allez Yann. Allez. Allez Clovis. Course apparaîtra, ça c'est donc la moto pour le bain, donc le bateau est en train de se mettre en place. Et on va donc avoir le passage effectivement donc, d'une nouvelle situation en tête de course avec tout simplement et bien Corentin et Bortrevski devant du type Bétune. Allez Paul, allez Paul, allez Alex, allez allez Paul. Allez Alexandre. Allez Yann. Allez Clovis. Extrêmement vigilant, les écarts sont toujours aussi fragiles. Compte combien de temps il reste. Compte.
Allez Paul! Allez Alexandre! Allez Yann! Allez! Allez Polo. La boucherie d'à côté, il a tourné à bloc, mais tous les gens venaient voir. Voilà quatre coureurs qui sont placés avec une poignée de secondes d'avance, puisque le peloton va se présenter maintenant dans cette ascension de la piste de faire une sérieuse échappée qui s'est formée en avant en cours. C'est un commerçant qui a dit ça. C'est lequel alors? Comment il s'appelle chez... Échappé. L'accélération de Pierre Barthélémy, le courant d'Ardennes Métropole Cyclisme, ville de Basel. Voilà la confirmation donc du 4 mètres avec Ivan Ramon. Le courant de l'Aïs premier cyclisme qui porte le phare 126, il est accompagné par le Galicien. Le courant de l'Aïs premier cyclisme qui porte le phare 146. Il y a également allez Paul! Allez Yann! Allez Alexandre, avec Loïs! C'est la course, hein? Tête de course, tour 6. Bien Paul, allez! Nous allons avoir des concurrents qui vont se faire filer. La tête de course se présente en devant nous par le Bourgondais avec les cyclismes. Voilà les traces de tête, ils sont là avec tout simplement celui qui emmène ce trio. C'est donc Ivan Ramel, le coureur de la S Renier Cyclisme avec juste dans sa roue. Allez Paul, allez Yann, allez Clovis, allez Clovis, allez Clovis, allez Clovis, allez Alex.
trois qui ont mené donc le peloton et la course. Voilà, et derrière ça a contré. Allez Paul! Allez Yann, c'est super! Clovis, tu lâches rien, Clovis! Donc en tête du peloton avec tous les coureurs placés dans le top 10, je disais Eliane Boulet, le champion de Bretagne, on avait Axel Bouquet, bon aperçu de l'autre côté, deuxième classement général, Allez Paul! Allez Yann, allez! Allez Clovis! C'est bien Paul! Allez! Allez Yann! Allez Yann, allez allez Clovis, on s'accroche, allez c'est maintenant. C'est bien Clovis. Allez Qui était terminé sur le podium. T'as vu? Donc, contre la montre qui lui a permis de se replacer au classement général, marquant des points évidemment capitaux lorsqu'on termine dans les 3 premiers sur les 13. Ariel! Tour 9. L'échappée. 11 coureurs. Et celui qui ne s'était pas véritablement montré, Mathias Sylvanis, Eliott Boulet est là avec Joël Chardon. On a vu le passage également. Il y a 30 secondes. Allez Paul! Allez Yann! Là ça roule hein. Un peu là. Allez Paul! Allez Clovis! Allez Yann!
sur la ligne d'arrivée au sommet de cette côte. Et la pigeonnière, on les attend évidemment dans quelques instants, alors que le véhicule doit les passer devant nous. On va donc gérer l'écart avec le peloton qui devrait se présenter dans un court moment dans cette côte de la pigeonnière pour un nouveau passage. On peut visiblement entre les hommes de tête et ce qu'il reste du peloton puisqu'on les aperçoit pour le moment. Pas encore, alors que nous allons avoir un peu. Allez, Paul. Tour 10. Pour un nouveau passage, échappé. Rappelle, il y avait 13 tours à couvrir. Il ne reste plus que 4. C'est donc la 9e ascension de cette côte de la pigeonnière ici à Saint-Martin-de-Landelles. Et l'écart se creuse visiblement. Tossard numéro 1 qui place une accélération. On a vu que Johan Chardon est vigilant. Le champion de France, sacré hier, est passé en 3e position du peloton parce qu'entre les deux, il y avait donc un coureur du comité de La Réunion. Avec Pierre Maillot aux alentours de 18 km encore de course, puisque le circuit développe 4 km 500 et qu'il reste 4 tours à couvrir. Allez, Paul! Ouais! Clovis, allez! Allez, Clovis! Allez, Clovis! Mon ami. Allez Yann, allez Clovis! Il doit. Allez Alexandre! Allez, allez! J'ai dit bonjour madame! Elle a dit bonjour monsieur! Oui! Oui, j'ai tout! Allez, il faut que. Mais il n'y a pas de tour de pied. Alors que c'est le groupe de tête emmené par le coureur colombien avec Kevin Henriquet. Kevin Henriquet. Et tout le monde doit s'arrêter. Allez, 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 Yann, Clovis. Allez, allez, Clovis, allez. Donc il défend véritablement montré Mathias Silvanis et Eliott Boulet est là avec Johan Chardon. On a vu le passage également du coureur de l'US. Il y a 30 secondes. Non, il est Angers. Angers. Ah, c'est quand même encore une soixantaine, non? Ouais. Ouais, mais regarde, là, ça a coupé. Hein. Ça va réattaquer un petit peu là. Oh là là. Allez. Allez, Paul, allez, allez. Allez, Jules, allez, allez. Une nouvelle ascension de la côte de la pigeonnière ici à Saint-Martin-de-Landelles. Ils ont besoin des encouragements de toute la République. Le public de Saint-Martin-de-Landelles.
Allez Paul! Allez Paul! C'est Paul! Allez! Allez Yann, on s'accroche! Ah merde, Clovis! Allez Clovis! Allez! Allez, ils sont pas loin, c'est maintenant! Allez, allez Clovis! Allez! Allez, allez mon grand! Allez, allez Clovis! L'échappée. On rappelle qu'il est Raphaël Petit, le coureur de la Réunion. Le la présence des deux coureurs de l'Union cycliste. Et on va voir si le peloton est toujours aux alentours des deux minutes. Mais il semblerait que oui. Les aperçoit-on. Homme intercalé à 1 minute 20. Côte de la Pigeonnière, ce lieu mythique du cyclisme ici à Saint-Martin-de-Landelle. Magnifié bien sûr par cette polynormande. Allez Paul! Allez Yann! Il va falloir que tu arrêtes de voter les sétales du mois de mars jusqu'au mois d'octobre. Allez, je rappelle, nous avions vécu la première. C'est un breton ça, non? Non, il est dangereux. Allez. Angers. Ouais, c'est quand même encore une soixantaine, non? Ouais. Ouais, mais regarde, là, ça a coupé. Hein. Ça va réattaquer un petit peu là. Oh là là. Allez. Allez, Paul, allez. Allez, Jules, allez. Catégorie cadet, on rappelle entre les 11. Il y a la dernier tour, peloton. Rocky, le coureur du vélo club Roche-Villois, Gilles Vaugrenard pour le vélo basket et cyclisme. Cavendette, Union Sportive, Saint-Paul-Frenard, Savigny, Barentin, Alex Maville, pour la Sébadéry, Soudain, les deux coureurs de l'Union Cycliste chez les Paul. Allez, Paul! Allez, Yann! Allez! Il y a la présence de Diego Valerio pour le vélo club d'Eckersheim, Paul Thierry pour le vélo privé, Kevin Enrique Roachi qui va pour le Kibaka, les coureurs colombiens, Rafael. Allez, Paul, allez! Il est enfermé là. Troisième et on descend à 49 points à partir de la 4e place jusqu'à la 20e. On dégraisse avant donc les 10 points de participation. Ensuite, pour l'ensemble des coureurs placés de la 21e à la dernière place, la voiture au bronze est là. Le verdict dans quelques instants. Qui va donc aller chercher la victoire d'aujourd'hui? Le sprint est lancé avec un point de grand coup. Et je ne m'avance pas pour les deuxième et troisième places parce que c'était très serré sur le côté droit de la route. Victoire donc de Victor Labroto, celle-ci semble commence à pleuvoir. Individuel, le deuxième, on attendra évidemment
la confrontation et on aurait à la troisième place. Victoire donc de Victor Herbroto. Ah oui, il était bien.